Une fois là, au beau milieu des plaines infinies du Canada, le rodéo, et du même coup, le temps, s'arrête à Medicine Hat. Ce quatrième dimanche de juillet, les cow-boys amateurs sont venus admirer les rodéomans professionnels. Autrefois, ils faisaient le même métier, pousser un troupeau, capturer un veau au lasso, monter un cheval sauvage, dans la solitude du ranch pendant la semaine, dans une arène de fortune définie au village par le cercle provisoire de quelques chariots, le dimanche. Mais les temps changent. La preuve, les femmes sont désormais admises au rodéo, même si on ne les voit que dans des épreuves un rien subalternes comme le barrel racing, la course au tonneau. Mais l'épreuve reine, celle où pendant quelques secondes qui vont durer une éternité, le rodéoman risque sa peau face à un monstre d'une tonne que rien ni personne, pas même le bon Dieu, ne saurait amadouer, c'est le bull riding, la monte du taureau sauvage. Et si les clowns sont aussi sur la piste, ce n'est pas pour amuser la galerie, mais pour détourner l'animal de l'homme dès qu'il aura été jeté à terre. Le rodéo, c'est à la fois un métier, une passion et une façon de vivre. Qu'ils soient professionnels comme ici aujourd'hui ou amateurs dans de simples fêtes de village, les rodéomen sont jeunes, sportifs, courageux, à l'image de l'Amérique et de ses mythes. Le rodéo, c'est ce qui reste de la conquête de l'Ouest, de ses étendues sans fin. Et quand commence le bal, le rodéoman est déjà reparti vers une autre destination, un autre rodéo. Au fil de nos prochaines étapes, ce chemin qui mène chaque jour un peu plus à l'ouest, ce sera le nôtre. Au-delà des montagnes rocheuses, il y aura les Indiens, puis l'océan Pacifique. Mais, passé Calgary et ses buildings de verre, la grande plaine canadienne se heurte d'abord aux montagnes. Et dans les montagnes, les pionniers de la première heure ont dû apprendre à faire ami-ami avec les ours. Ils descendent jusqu'à la maison, ils descendent même plus bas, ils traversent même la route pour aller en dessous, jusqu'au village. Et c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Non. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se nourrir, ils viennent voler des choses? Ils nous mangent nos blueberries, là. On a une bouche de blueberries, là. C'est eux qui nous les mangent. On en a un autre plus bas, là, c'est aussi eux qui les ont. Mais y a les cerises, ça les touche pas. Je sais pas pourquoi, je les aime pas ou quoi. Mais ils viennent l'automne aux pommes. Je suis venu en 52, travaillé sur une ferme la première année. Et puis ensuite, chercher dans les mines, dans le nord, pour avoir un emploi plus régulier. Donc,
à longueur de l'année. Oui, en 57, donc je suis retourné en Suisse. Puis revenu en 58 avec une femme. Oh, j'étais secrétaire à la CIPAG à Vevey. Et puis, oui, ça fait un grand changement pour moi, surtout que je ne savais pas la langue. Et puis, c'était difficile à trouver du travail dans ma branche. Il a fallu aller faire la vaisselle ou je faisais la lessive dans un hôpital, dans l'hôpital. Mais comme je dis, j'avais toujours le goût de l'aventure. Ça fait que ça aide à faire la transition, vraiment. La grosse question, c'était de trouver une femme qui allait bien vouloir rester ici. Ça, j'étais chanceux, je peux dire que ma femme m'a bien aidé dans tout ce que j'ai fait. Et voilà, c'est simple, dans le fond. Il n'y a rien passé de... Simple. Tout paraît si simple quand on eut la chance d'affronter ensemble les épreuves de la vie, le froid du Grand Nord, l'obscurité étouffante de la mine, la quête du travail. Aujourd'hui, complètement canadien mais encore passablement vaudois, Charlie Cohn et sa femme Alice trouvent que le passé avait décidément des airs de fête. D'autres, avant eux, avaient déjà pris le chemin du Far West, c'était le temps des chariots, de la conquête, de la ruée vers l'or. Et ce sont leurs descendants, au-devant desquels nous irons lors de notre prochaine étape. Thank you.